Bonjour à tous et bienvenue sur le troisième épisode de Super Mario Bros 3. Et donc on va se lancer dans ce nouveau monde. Et j'analyse un petit peu comment on pourrait prendre des raccourcis. Mais clairement là il faudrait avancer jusqu'à avoir les frères marteaux, je pense, parce que si on va ici, ça ne mène à rien. Ou en tout cas quelque chose qui est bloqué. Effectivement, on atterrit ici. Donc ce qu'il nous faut, c'est soit une clé, soit les deux marteaux pour créer un passage. Donc on essaiera de faire ça. Je vais juste baisser un poil le son qui est fort. Non, pas ici. Je vais le baisser sur l'enregistrement. Voilà. Et voilà. Là, on est bien. Bon. Donc il va falloir faire preuve de technique et de réussite. En plus, on est sur un niveau aquatique. Non, je peux pas... D'accord, ça me propulse dans les airs, ok. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne, ouais, c'est ça. Moi, je voulais rentrer dedans, en fait, mais non. Donc, il va falloir s'en méfier, hein. Finalement. Et des poulpes, aussi. C'est le premier niveau, donc c'est pas trop... C'est pas trop grave si on perd des vies là-dessus. Là, on peut pas rentrer. Ouh, toi, je sens que tu vas être une galère. Ok, ça passe. Est-ce que là, on pourrait descendre? Non. Champignon. Oh merde! Oh, ça l'a traversé. Je croyais que ça allait rebondir. Bon, tant pis. On va faire ça. Bien joué. Bien joué. Ils sont hyper vifs, hein, les poulpes. Là, en passant par le haut, c'était pas trop mal. Mais je pense que de manière générale, si je bourre sur le haut. Ça va être pas trop mal. Attention de pas descendre trop rapidement et de se manger le poulpe. Là, à la limite, si je fonce. Ok. Ça, c'est pas mal. Il est chiant. Hein. Et on peut remonter ici. Qui est la fin. Donc le niveau est pas très très long. Donc il est largement faisable. On a même deux champignons, mais je doute de réussir à faire le deuxième niveau du premier coup. J'ai pas confiance en ce poisson. Non, trop tôt, tant pis. Santé. Je sais pas si je... Ouais, non, je peux pas trop survivre là-dedans. Faut vraiment que je reste au-dessus. J'ai plus de vie, j'ai ça. Ah, ça permet de skip un niveau. Ah, pas mal. Bon, je vais un peu utiliser n'importe comment là pour le coup. Bon, utilisons les grenouilles. Saute, saute, saute. Saute. Il m'a mangé. Il m'a mangé. Non, tant pis.
Bon. C'est pas grave, on a vu un peu à quoi ça ressemble. Et on voit un petit peu ce qui nous attend. Ça va être un peu plus compliqué hein, de réussir à avoir ce niveau. En tout cas ce monde, ou cette partie, mais bon, il faut progresser petit à petit. Le stress. Bon, bon là si je fonce, pas de soucis. Ok, j'ai réussi à récupérer le champignon en tombant, et là normalement la fin du niveau est juste là. Voilà, on l'esquive lui et on remonte. Bien. Premier niveau réussi, pas perdu de vie, on a même gagné un champignon, on est plutôt pas mal. Et du coup, ouais, on a plus de bonus. Donc on va essayer de faire ce niveau. Du mieux qu'on peut. Sachant que celui-ci... Voilà, on l'a jamais réussi. Pour le moment, donc ce serait bien de le faire sans perdre de vie. Même si c'est compliqué. Bien joué. Bien joué là, je... J'ai juste sauté dessus. Les deux pieds joints pour mourir. Surtout qu'il me paraît pas si... galère que ça. J'allais dire. Avant de mourir lamentablement. Largement moyen de le faire efficacement. Après je pourrais peut-être, c'est vrai, récupérer le champignon, mais ça me paraît un poil tendu. Ah putain, il m'a bien eu, il m'a bien eu. Le fait que je rebondisse dessus m'a coupé dans le saut, et du coup là j'ai perdu toutes mes vies. Il va falloir apprendre à maîtriser. Les deux niveaux déjà. Ça, c'est bon. Là, on est bien. Et on continue. Et merde. J'aurais bien aimé garder ma grande forme jusqu'au bout, mais j'ai même pas été jusqu'au bout. Bon, là on rentre dans les mondes qui demandent vraiment un apprentissage des niveaux. C'est vrai que je pourrais peut-être tenter... Oh, foiré. Peut-être que je pourrais tenter le... la récupération de l'étoile. Ça m'aiderait pas mal. Vraiment, le premier niveau est rapide, donc on peut le refaire ensemble. Normalement. Quand on se plante lamentablement comme ça. Un passage là. Ah, intéressant. Et avec un champignon gratuit. Ça devrait nous faciliter un petit peu la tâche. On n'a pas vraiment l'obligation d'aller récupérer le bonus qui est là-bas. Ça pourrait être bien, hein, ça nous mettrait, je sais pas, une fleur de feu ou quelque chose comme ça.
Mais d'où il me touche là. Et j'aurais dû le prendre finalement, mais bon. C'est comme ça. Bon, quand il y aura deux niveaux à refaire, là je ferai des ellipses. Mais tant qu'il n'y en a qu'un seul, on peut le refaire ensemble. La difficulté de récupérer ce champignon, elle est là. Ah, je sais pas s'il y a moyen. S'il y a vraiment moyen de ressortir de l'eau quand on y tombe. Je sais pas comment on fait pour récupérer l'étoile. Il faut peut-être un timing précis. Allez. Pas mal. On est pas mal. Satané plante. Ok, et là je comprends pas ce qu'il faut faire. Bloqué. Champignon qui me troll. Ah, les poissons. Les poissons. C'est le premier niveau qui me donne autant de difficultés. Même s'il y en a d'autres où j'ai quand même un petit peu galéré, mais pas autant. Non, je sais pas trop comment la récupérer. Bah, j'ai peut-être une idée, mais je doute de ma capacité à l'exécuter. Je pense que c'est un doute tout à fait légitime. Ah non. Non, j'ai sauté pour éviter celui du dessous, mais... C'était pas lui le danger, c'était celui qui venait après. Bon. C'était pas une tentative totalement inutile, dans le sens où on sait maintenant qu'il y a un champignon ici à récupérer, qui est gratuit et qui permet de mieux aborder ce niveau. Comment réussir le deuxième? Parce que on a la plante et ça a l'air d'être la fin du niveau, parce que à chaque fois je me fais avoir par lui. Le truc c'est que le cadre n'avance plus, donc c'est qu'il faut prendre ce tuyau, je pense. Mais comment le faire s'il y a la plante? J'imagine qu'elle doit rentrer dans le tuyau à un moment, mais... Je suis encore fait avoir. Tant pis, on va essayer comme ça. Ça va être compliqué, je pense. Ok, ça se fait. Attention à lui, attention à lui. Ici. Et là on rentre. Voilà. Ah merde, c'est pas la fin. Si, c'est bon. Ok, donc vous aurez plus besoin de refaire les deux... De revoir les deux niveaux précédents. Je vous les épargnerai si on doit... se les refaire. Du coup, le fameux coffre. Prendre celui du milieu.
la grenouille. Oui, bon, on va l'utiliser. Hein. Tant qu'à faire. C'est vrai que, en termes de saut, elle est très utile. J'ai pas à me plaindre. Oula. Enfoiré. Je m'attendais pas à la plateforme qui m'éjecte comme ça. C'était assez moche. Évidemment. Plus rien du tout. Bon, alors là, le champignon, je peux. Ah, quoi que. Non, j'ai rien dit. Alors, ça tourne. On saute derrière, pas mal. Un champignon qu'on perd instantanément. Allez. Alors, il y avait certainement moyen d'avoir un truc là qui fait qui inverse les pièces et les cubes. Mais alors où est-ce qu'il est, je ne saurais pas dire et je vous avoue que je suis plus concentré sur le fait d'esquiver et de réussir à avancer. Pas du tout volontaire ceci. Le champignon, on laisse tomber. Je sais pas, il me fait peur. Et j'ai bien raison parce qu'il me gobe en 2 secondes. Et j'ai pas envie de tester de voir si il peut me toucher en sautant. Allez, j'aimerais bien faire celui-là. Ça c'était faisable. Champignon qui m'abandonne. Donc là il doit avoir un pot quelque part. C'est quoi, on va faire 100. Ok. Le tuyau, c'est bon. Et ça c'est fait. Et rien d'exceptionnel, donc une vie, voilà. Bon, au moins vous verrez plus le monde 3, ça c'est fait. Bah le niveau 3. Est-ce qu'on va réussir à avoir la forteresse avec 2 vies? Question. L'interrogation est légitime. Non, on peut pas rentrer. Alors on fait gaffe au bloc qui tombe. D'accord, il va falloir trouver la bonne porte. Donc c'est pas celle-ci. Est-ce que c'est la 2? Non plus. Ah mais il y a un tuyau là par contre. Qui m'amène ici. D'accord. Donc on a dit pas celle-ci, pas la deuxième. La troisième peut-être. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. De toute façon, les 3 premières. Quatrième non plus. Ah, j'aurais dû reprendre le champignon.
Elle a dit en revenant sur celle-ci. Oula, oula, oula. Attention. Voilà, parfait. Voilà, parfait dans le sens où ça me permet d'encaisser un coup au cas où. Donc on a dit la quatrième, c'était pas ça non plus. Cinquième. Ah ah. Une vie, c'est pas mal. On est pas mal. Bon. La cinquième, on a dit non. Le truc, c'est que je suis pressé par le temps, là. Celle-ci ? Sixième. Ouais, c'est ça, c'est la sixième. Oh, je l'ai loupé. Ok, lui il est bon. Ah, ça c'était pas prévu. Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà. C'est vrai qu'on peut planer, on me l'avait dit. Donc ça c'est bien. Et du premier coup, on a fait le château. Et on a débloqué ce raccourci. Parfait. Allez, c'est parti. On est bien. Ah, et merde. Dommage. On avait fait deux. Donc ça c'est le tuyau qui nous permet de revenir ici, donc on n'aura plus besoin de faire les premiers niveaux, ça c'est cool. On progresse. Et ici il va falloir débloquer celui-ci. Ok, le monde 3 est très très vaste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, faisons le monde 4 et voyons voir. Ça monte assez classique. C'est vrai que on m'a dit que je pouvais voler. J'ai l'impression qu'il va falloir que je prenne la pente. Forcément. Ah, je peux pas les remonter dessus. Ah, je pensais que c'était possible. Non. Ouais, c'est chaud. C'est compliqué. C'est très très compliqué là. Ça, non, ça passe pas. Ok. Je vois ce qu'il faut faire. En tout cas, sur le papier. Ah, déjà, il faut réussir à remonter. T'es chiant toi. Il est bien chiant ce poisson. Voilà. Et là tu peux passer. D'accord. Et lui. Lui bombarde. Normal quoi.
Wow. Oui, reviens. Oh, c'est chiant. Tu cliques pas un champignon, perds derrière, c'est moche. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh non, la vie! J'ai stressé, n'importe quoi, surtout que j'ai juste à sauter, hein, le bord est juste là. Ah, j'ai pas vu que j'étais dans l'eau et que j'étais ralenti. Effectivement, ça pose quelques soucis. Mais j'ai appuyé pour glisser. Pourquoi il l'a pas fait? Bon, au moins on a ça. Si j'arrive à rentrer dans le tuyau, ça peut être pas mal. Dommage. À chaque fois, hein, c'est le troisième qui me manque. Je sais quoi, hop. Je vous saute dessus. Hein. Apparemment, vous êtes un peu piégé. Un champignon. Et c'est reparti. Je pense pas que c'était possible, mais ça passe. Alors, je sais pas ce que je fais de mal. Ah, il faut que je laisse... Ah, d'accord, il faut que je laisse appuyer. Bah, que je laisse bien appuyer pour que ça fonctionne. Ah, mais là, je vais perdre une vie. Je veux dire, comment tu veux que je passe ça en ayant... rien du tout. Je veux dire, là aussi, j'ai encore perdu une vie. Ah, quoique. Quand il est sur la terre ferme, ça passe. À peu près, mais là, ils vont tous me niquer, quoi. Et j'en ai un. Miracle, va-t-il se passer? Oui. Là c'est un miracle, hein. Faut pas chercher plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le marteau ici. Mince. Un jour, hein, je vais y arriver. Comme un jour, j'arriverai à ce niveau. On y croit. Ah, déjà pas en faisant ça. Oh, d'accord. Apparemment, c'est possible de faire ça. D'accord, il m'empêche de sauter, ces petits cons. Après, la question étant, comment je m'en débarrasse? Donc, j'ai déjà plus de vie. Je sais plus si les frères marteaux restent définitivement morts ou pas. J'ai lâché le bouton parce que je voulais accélérer.
que à la limite, s'il reste définitivement mort, on aura avancé. Ouais, j'ai l'impression. Donc, c'était pas une tentative qui ne servait à rien. En tout cas, pas totalement. On a éliminé un obstacle. Voilà, parfait. Quand je disais que j'allais enfin réussir. Ça, c'est bon. Allez, si on peut se refaire le même. Allez. Ça, c'est pas mal. Ça sent la bonne tentative. On peut le faire. Allez, j'y crois. Ça va passer. Voilà, là, on attend tranquillement le deuxième. Là, voilà, on se laisse porter. On fait paf, paf. Oui, il me tire dessus. Ah, merde. Oui, viens, viens, viens. Voilà, parfait. Oh, tant pis. Tant pis. J'ai pas risqué de perdre une vie pour un bonus, alors qu'on est bien en termes de vie, là. En plus, on peut aller ici gratuitement avoir un bonus qui nous servira peut-être dans un instant critique. Donc ça, c'est la feuille qui nous permet de nous transformer en Tanuki pour affronter les ennemis. Ce qui serait serait pas du luxe, hein. Pas du luxe. On peut tenter. Hein. On se transforme et on y va. Vas-y. Voilà, parfait. Ah. Étoile. Ah, je voulais défoncer moi ce rocher. Du coup, pourquoi je ferais le niveau 5, il me sert à rien. Là, je fais 6, 7 et la forteresse, et on est bien. Enfin, on est bien. Faut le réussir, hein. Celui-là, par exemple, il a pas l'air très très simple. Par exemple. Bon, clairement, là, mon étoile ne sert à rien. Mauvais sens. Il y a un trou, je saute dedans. Bravo, c'est du génie à ce niveau. Mais non, mais... Foutage de gueule. Comment perdre toutes ses vies en une leçon? C'est-à-dire jouer comme moi. Je le refais encore. Faut vraiment que j'y aille franco, jusqu'au bout de l'écran. Une fois qu'il est dans le bon sens. C'est moi qui l'attends pas. Voilà, là ça passe. Oui, on s'en fout. Alors, on a déjà changé de plateforme, il peut plus nous atteindre. Ça, tu pourrais me donner un bonus? Pas vraiment. Il a failli me tuer.
Allez, oui, c'est bon. Ok. Pour l'instant, on se débrouille. Voilà, on cherche pas à compliquer les choses. Non! C'était le tuyau. C'était le bon. On était bien. C'est entre la plateforme qui t'éjecte et la tortue. Je savais pas trop quoi choisir. Finalement, j'aurais dû faire un choix. Bon. On a vu le bout. Déjà pas trop mal. Bon, c'est que là c'est un piège. Oula, oula, oula. Pas trop loin, Mario. Ok, là on est bien. Donc là, lui. Je t'esquive. Ici. Trop tard. Ou alors. Bien entendu. Ou alors, je tente un truc. J'ai quelques doutes sur le fait de réussir. C'est-à-dire de faire un grand saut jusqu'au bout et dans la chute, essayer de me rediriger vers le tuyau. J'avoue, ça me paraît assez foireux comme plan, surtout au vu de mes compétences. Merci le scrolling. Parce que sinon, j'étais parti pour aller je ne sais où... J'ai pas eu. Ah non. Mais c'est un peu dans l'idée. Ou alors il faut sauter quand il tourne. Quand il tourne, ça peut le faire. Bah putain. Je pensais pas réussir ça. J'ai l'impression que c'est le moment où on va réussir le niveau. Si je commence à faire des sauts pareils. C'est qu'il y a bon espoir. Quoique là, j'ai failli me viander sur un saut pas très compliqué. Bien voir comment ça va se goupiller ici. Donc là, il y a la carapace. On attend. Non! Ah, il est assez moche hein, comme saut quand même. Faut bien l'avouer. Non, trop tôt. Je peux pas réaliser deux fois l'exploit de réussir ce saut de récupération de champignons. Bon, déjà ce qui est encourageant, c'est qu'on voit la fin pratiquement à chaque fois. Donc ça, c'est déjà pas trop mal, ça veut dire que on maîtrise à peu près le niveau. C'est juste le dernier saut où ça pêche un petit peu parce que il est compliqué. Je crois qu'on peut difficilement dire le contraire. Oui, parfait. Je sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Toi, tu vas m'emmerder sinon. Et ça, c'est bon. Bon, malheureusement, j'ai plus de vie.
Et du coup, faire le niveau 7 sans vie, ça va être compliqué. Ok, alors je connaissais pas du tout cet ennemi, il m'a défoncé. Du coup... Face à ça, je vous fais une ellipse et on se retrouve quand on sera au niveau 7. A tout de suite. Bon, c'est la chance de faire quelque chose ici. Comme vous voyez, j'ai 6 vies. On est au niveau 7. Donc eux, ils génèrent une boule. Et ils te la lancent dessus. Qui te poursuit vachement loin. Et ils sont tuables comme tous les autres. D'accord. Ils sont quand même assez dangereux parce que... Ça te suit très très loin. Alors, j'ai effectivement toujours l'étoile en bonus de disponible. Mais je vais pas l'utiliser tout de suite, en fait, pour voir un petit peu comment tout ça, tout ce niveau se goupille. J'aimerais la garder peut-être pour un dernier recours qui serait peut-être plus salvateur, on va dire. C'est chaud. T'aurais pas pu aller dans un endroit plus accueillant, le champignon. Tant pis. Ok, niveau 7, c'est bon. Et on a failli bien se faire avoir par le petit dernier, mais en tout cas, on a pour la première fois 3 étoiles, ce qui nous met 5 vies. Donc on va pouvoir bien avancer, je pense. Surtout qu'on est au château, et que si on bat le château, on débloque un bon raccourci, pour le coup. Pour le coup, on serait pas mal. Donc là, il faut vraiment réussir ce niveau. Avec 11 vies, ça peut être faisable. Voilà. Déjà, ça c'est perdu. Tant pis. Je vais pas essayer, outre mesure, d'essayer de le récupérer. D'accord. Alors ça, c'est moche. Mais je pense qu'en collant le plafond, ça devrait passer. Voilà, un peu moins. Ok, c'est passé. Donc c'est pas très très compliqué pour l'instant, les salles. On est déjà au boss. On devrait le faire. Merde, j'ai oublié qu'il sortait ses ailes et qu'il attaquait comme ça. Bon. Normalement, si je fais pas n'importe quoi, si je perds pas mes moyens, c'est largement faisable. Déblocage du raccourci complètement à notre portée. Si je fais pas n'importe quoi comme ça. Je vais même l'utiliser maintenant. Ah non, mauvaise utilisation. Très, très mauvaise utilisation. Le truc, c'est que je veux à tout prix ce champignon. Ouais, alors là, j'ai de la chance. On est d'accord. C'est bon. Seulement ce champignon était... D'accord, ça ne passe pas en grand. Je vais faire la technique de coller au mur. Bon, à savoir, bon. Nouvelle tentative face à lui. On n'oublie pas qu'il peut voler. Donc une fois que je le touche, j'attends. Déjà, il faut le toucher une première fois. Voilà, merci. Là, il vole. Qu'est-ce qu'il va faire? Il me charge, d'accord. Faut vraiment que je le touche pendant qu'il me charge ou... C'est un peu compliqué.
Ok, bah ça doit être ça, hein. On va le faire descendre. Réfléchis, réfléchis. Non. Ah, je croyais qu'il allait repartir sur... sur le fait de... de rester au sol, pas qu'il ait remonté avec ses ailes, d'accord. Bon. Ça va être quand même tendu, hein. Par contre là, si je développe pas le raccourci, on est un peu dans la merde. Je vais pas vous le cacher. J'aurai difficilement autant de vie et de possibilité de le battre. Ok, ça, ça fait. Si on pouvait garder cette forme jusqu'au boss, ça serait pas mal. Voilà. Faut juste aller un peu plus doucement. Comme vous êtes un peu plus grand, du coup, il a plus tendance à vous toucher. Logique. Oh, mais non! Vas-y, charge-moi. Ah, mince, je suis passé au-dessus. Encore. On va trouver, hein, on va trouver. Je me suis foiré. J'ai hésité. Ah non. Le truc, c'est que je vois pas comment l'avoir quand il est dans cette position. C'est que le premier mini-boss, bah, il le faisait, mais après, il réatterrissait. Du coup, ça rendait la chose tout à fait gérable. Oh merde. Quel con. Tant pis. On va y aller comme ça. Moi, ça permet d'aller assez vite sur les fantômes, mais... Sauf quand on fait n'importe quoi. Je suis en train de perdre toutes mes vies. Voilà, ça c'est bon. Allez, ça on avait dit. Voilà, il faut passer par là. Et ça c'est bon. Donc là on fait gaffe, quand on le touche, on se dégage. Vite fait. Voilà, allez, on est reparti. Voilà, c'est comme ça. Et ben voilà, c'était pas compliqué. Bordel. On l'a bien niqué. Et là, on a débloqué le raccourci. Et on est plutôt pas mal. Yes. J'ai chopé le truc, hein. Pour le coup, là, c'est... C'est bon. Allez, niveau 8. Donc on retourne sur un niveau comme ça. Mais c'est quoi cet enfer ? J'ai...
j'ai pas compris là. Peut-être faut que je reste là et... Ah, c'est ça en plus. Je reste là et il faut que j'accélère quand l'eau est au niveau le plus bas. Ah, ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué ça. Je refais deux fois la même chose. Allez. Voilà. Enfin, on se refait pas avoir. Là, il va falloir aller là-haut. Non, on attend. Louper ce saut aussi simple, c'est quand même assez moche. Y'a pas à dire, c'était pourri. Alors j'imagine qu'il y a des mecs hein, qui arrivent à faire ça sans avoir besoin d'attendre. Pourquoi à chaque fois je le fais? Chaque fois. Pertinemment qu'il faut que je fasse gaffe au saut, mais... Oui, alors c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais... C'est passé. On va pas se plaindre. Ça, ça restait au-dessus, là. Voilà. Le truc, c'est que... Là, je sais pas du tout quelle est la suite... Et je suis pas bon, je suis trop lent, beaucoup trop lent. Le truc c'est que si tu sais pas ce qu'il y a, bah c'est un peu compliqué. Donc heureusement qu'on a débloqué le raccourci. Voilà, déjà ça c'est mieux. Ça c'était n'importe quoi et des billes. Ça c'est bon, hop. Donc là il faut un petit peu d'accélération. Là je vais là et j'attends. À partir de là, bah non. À partir de là, je prie et je fonce. Oui. Ok, c'est bon. Je peux aller au-dessus. Ça, c'est pas mal. On est assez haut dans le niveau. Ok. Ça va. Piège. Pas de piège. Non, parce que maintenant, je me méfie. Au vu du nombre de fois où ils m'ont mis un ennemi ici. Au moins vous verrez plus le niveau 8. Déjà ça. Allez, parti pour le niveau 9. Bon déjà, on n'est pas sur de l'eau. Oh non, pas beau. D'accord, je peux pas courir, je peux rien faire quand il a ses machins sur moi. Comment je m'en débarrasse ? Bien, mais il va falloir arrêter. Et ça s'en va jamais ou... Voilà, merci. Oh non. Oh, le pire truc du monde. Ok, je bourre ma touche X sur ma manette.
Et ça passe. Champignon, champignon. Je vais bien me faire voir. Ouais, bon. J'ai envie de tenir. À ce niveau, c'est un peu compliqué. Ah, c'est possible ça? On peut faire ça. Ça va être des blocs spéciaux, ça. D'accord. Moi qui disais que c'était pas un niveau aquatique, je me suis bien fait avoir. D'accord, là-bas on a un tuyau, ici on a la mort. Je vais aller vers le tuyau. Hein. Peut-être pas ce... la tâche à essayer de récupérer un bonus ou je ne sais quoi qui va peut-être pas forcément servir puisqu'on est à zéro vie. Mais au moins si on peut débloquer des choses, ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu compliqué si c'est le même sur toute la partie, hein, parce que je peux difficilement les retenir, vu que je joue toutes les semaines. Et là, on a le château. Parfait. Donc, notre roi a été transformé, comme d'hab. Trouve le bâton magique qui fera changer le roi. Donc, le troisième boss, troisième vaisseau, on connaît la chanson. Malheureusement, j'ai zéro vie, donc ça va être compliqué. Extrêmement rapide. Maintenant, la question étant, où est-ce qu'il va apparaître? Bon, déjà, il n'est pas par ici. Là, de toute façon, c'est bloqué, donc on va prendre ici. J'aurais dû prendre les bonus. Tant pis, on va y aller comme ça. Il est que là-bas ou comment ça se... Ouais, bon, ça s'est foiré. C'est pas grave. Bah du coup, ellipse jusqu'à ce que je sois au boss et puis on essaiera de terminer ce monde assez vite. A tout de suite. Allez, nouvelle tentative. On va pas aller loin, on a une vie. Mais on aura au moins le mérite d'essayer et c'est déjà pas trop mal. Se méfier, voilà, de lui. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié cette particularité, c'est que comme le vaisseau bouge, voilà, les missiles ont pas une trajectoire forcément très droite. Foiré. C'est quoi cette... Avance. Non. J'ai pas compris comment ça fonctionnait. Par contre, il s'est barré, lui. Donc, ce qui est peut-être plutôt bon signe, ça veut dire qu'on va pouvoir tenter plus rapidement les tentatives, sans avoir à tout se... à refaire les deux niveaux, hein, 8 et 9, là, qui sont assez... assez compliqués, je trouve. Surtout le... C'est le 8? Ouais, c'est le 8. Le 9, ça va, mais le 8, à chaque fois, je perds toutes mes vies dessus. C'est assez embêtant.
Oui, non. Là, je pensais que je pouvais marcher dessus et... réussir. Donc, on va voir. Est-ce que du coup, il repart à chaque fois au château ou... ou est-ce que je peux aller le chercher plus près? Du coup, je vous garde quelques secondes de plus. Le truc, c'est que j'ai pas l'habitude de faire la plante. Mais ça passe. Ah, c'est 3 vies quand même la plante. Pas mal. Pas mal. S'il est assez près, on va pouvoir faire plein de tentatives dessus. Si je me foire pas trop sur les niveaux à refaire. Et l'étoile... Non, je l'ai pas eu. Ouais, je l'ai déclenché un poil tard. C'est pas grave, on a déjà récupéré 3 vies, c'est pas mal. C'est bon. Ça passe pas. Non. Trop tôt. Ouais, il est là. Donc je fais une petite ellipse, temps de faire le niveau 8. Et puis après, on se retrouve sur le boss en espérant y arriver avec les 7 vies, si possible. A tout de suite. Ok, c'est passé. Du premier coup, 7 vies. On y croit. Là, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de finir cette vidéo. Et de finir ce monde, enfin. Je l'ai pas vu, il était trop petit. Et du coup, il va... Bien sûr, il va là-bas. Ça va. On peut l'atteindre directement et retenter derrière dessus. On n'oublie pas les clés à molette. Je perds des vies, mais... d'une manière tellement idiote. Du coup... Oh non, merde. Pourquoi j'ai relancé ce niveau, moi? Quelque chose de propre. Ouais, pas comme ça, par exemple. Vous lui allez trop vite, bon. Et je vous retrouve quand je suis sur le vaisseau, parce que sinon ça va être trop chiant pour vous. A tout de suite. Allez, c'est reparti, nouvelle tentative. Est-ce qu'on va enfin atteindre le boss? Ça serait déjà pas mal. J'ai envie de dire, ce serait déjà même une grande avancée pour nous de l'atteindre. Parce qu'on galère déjà en fait sur le... l'espèce de petit passage là. Censé esquiver tout un tas de dangers. Alors là, je vais choisir la solution de... en fait, je me suis loupé sur le... Je suis pas sûr que ce soit par là, je sais pas. On y va. Mais non! Mais non, ça passe en dessous. Oh, je suis deg. Ah là, je suis deg, parce qu'on y était. On y était même bien. Ah non, mais non. Qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois.
Chaque fois, je meurs de façon, mais vraiment trop bête, en fait. Ok, là, on est bien. Donc ça, on a dit, on s'en fout. De toute façon, j'arrive pas à le maîtriser, donc... Ça ne sert à rien que je tente. Là, on avait dit port au-dessus. Hein. Ça a l'air d'être une solution tout à fait efficace. Donc voilà, là, et on pénètre, et on va affronter le boss. Bah, la boss, apparemment. Je suis passé dans un trou de souris, là. Pas deux fois. Pas deux fois. Dommage parce qu'on l'avait touché. On lui avait mis deux coups. Et je pense que là, si j'avais réussi à l'esquiver, j'aurais dû faire un saut un peu plus. Un peu plus chargé. Si vous voyez ce que je veux dire avec la course. Avec un petit peu d'élan. Non, j'ai appuyé. Il est en train de finir son animation, je pense. Ou alors, l'émulateur n'a pas pris en compte le fait que j'appuie sur la touche. Surtout que là, si je meurs, il va certainement se déplacer encore. J'aimerais éviter ça. Surtout que finalement, le chemin n'est pas si compliqué que ça. Il y a 2-3 petits pièges quand même, hein, qui sont un peu des défis, mais... Voilà, là, surtout, c'est ici qu'il faut faire super gaffe. On peut très vite être touché. Non, 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 mais non. Pas comme ça. Foiré. Du coup, il sait... Non, il est toujours là-bas. Bon, bah, je vous retrouve dès qu'on est dessus. Je pense que la prochaine fois, c'est la bonne. Et on pourra terminer l'épisode là-dessus. A tout de suite. Bon, 4 ou 5 essais pour faire le boss. Ça devrait le faire. Donc on maîtrise, entre guillemets... Ah, on sait que tac, tac, il faut que je ressaute super vite ici. Là, on attend juste que les petites clés à molette soient passées. Attention, boulet. Non, mais non, putain. Je perds trop de vie là-dessus. Ça devrait être une formalité de traverser ce vaisseau. Au lieu de ça, je me fais victimiser à chaque fois. Je suis tenté d'aller chercher le bonus, mais... Je sens que je vais me planter si j'essaye. Donc, peut-être éviter. Ça, ça va. On attend juste que la plateforme apparaisse. On frappe les mécanos. Et on rentre dans le tuyau. Allez, cette fois on se la fait. Pas de raison qu'elle me victimise comme ça. Oh le saut. Oh le saut de... Je l'avais pas vu venir celui-là. Je pensais que c'était bon. Bon, la solution c'est quand même de l'enchaîner à chaque fois qu'elle sort de son mode un petit peu furax qu'on l'ait tapé.
mais c'est pas évident, faut surtout avoir le bon timing. Mais d'où ? Je suis dessus ? Putain, je perds toutes mes vies. Dommage que j'ai foiré le saut parce que sinon il y avait le temps d'aller chercher le bonus. En plus je suis sûr que si j'ai le bonus ça passe. Hein. Ça passe tranquille, hein. on aurait fini depuis longtemps. Et on est bon. Allez. Toi, on la défonce. Ou elle me défonce. J'avais dit que c'était la dernière. Pourquoi t'aimes bien me donner tort le jeu comme ça? Je sais pas, ce saut à chaque fois je n'y arrive pas. Oula. Ça c'était un peu chanceux. Franchement la deuxième partie du passage du vaisseau, ça va si je fais pas n'importe quoi avec les clés à molette. Ça, ça gère. Non, oh, lance le cerceau. Merde. Elle est toujours là-bas. Elle est toujours là-bas. Bon, bah, je reviens. Quand je me serai acheté du skin. A tout de suite. Bon, je vous ai épargné la première tentative de traversée du vaisseau, et on se retrouve directement face à la boss. Ok. Attention. Ah, oh, le cerceau, j'allais la voir. Je l'avais chopé à la... À la retombée. Ah, oh, putain. Ah, oh, le Deus Ex Machina qui la sauve. Non, parce que c'est carrément ça là, le cerceau qui arrive à ce moment précis. Non, j'y arriverai pas. Tout à l'heure sur le premier... sur la première traversée que je vous ai épargné, j'ai réussi à récupérer le champignon mais je l'ai perdu juste après en sautant sur un boulet. Mais c'est qu'il est possible de le récupérer. Mais il faut pour ça, à mon avis, réussir du premier coup ce petit saut. Je sais pas si c'est le scrolling finalement qui me bloque et qui fait que j'arrive pas à le réussir du premier coup à chaque fois. Attention. Que lui il m'a déjà eu par en dessous. Voilà, elle a retombé. Allez, on se concentre. Je vais avoir ce champignon. Non, non, non.
j'étais trop en retard. Truc c'est qui? Ouais d'accord. Alors ça c'est bien la première fois que je le fais. D'accord, je sais pas si c'est je, si c'est moi qui ai décidé d'abandonner, mais non. Le truc c'est que je suis sûr à 100% que si j'ai ce champignon et que j'arrive à y aller sous cette forme face au boss. Non mais qu'est-ce que je suis con aussi. Ça passe. Ça passe nickel parce que même s'il y a un cerceau là qui la sauve comme tout à l'heure en sortant de nulle part, derrière je peux enchaîner et je peux la défoncer. Surtout qu'à chaque fois là où ça passe pas. Merde, j'ai oublié. Tant pis. On a réussi à le récupérer, mais on n'a pas réussi à. Là où ça passe pas, c'est juste le dernier coup. Faut que j'arrive à me rappeler que. Après la deuxième fois, il faut pas que j'essaie de la choper à la relever. Ça ne sert à rien. Ah oui. Putain. Ok, ça on fait. N'importe quoi, mais alors n'importe quoi moi. Bon bah la dernière ça sera la bonne, bah la prochaine sera la bonne. Parce que je vous mettrai juste la tentative réussie. A tout de suite pour la fin. Et ben voilà, enfin, bordel de merde. C'est bon. C'est fait. Donc là, vous avez la tentative réussie. Alors, on passera sous silence la vingtaine, au moins, minimum, tentatives qui ne sont pas passées. Et on en termine avec ce troisième monde. Donc là, il nous remercie, hein, comme... du fait de l'avoir retransformé, et on a la lettre de la princesse qui va encore nous donner un conseil pas très très utile forcément. Le bloc blanc contient des pouvoirs qui te feront battre tes adversaires. J'ai inclus un objet pour t'aider. Protège-toi. Et donc elle nous a mis la musique qui nous permet d'endormir les ennemis. C'est un niveau un peu compliqué. Il y a l'air d'avoir plein de tuyaux, peut-être plein de raccourci possible, on verra tout ça la prochaine fois. Je pense que cet épisode c'était le dernier où un monde sera fait en un épisode et qui sera pas découpé en parties pour vous proposer des épisodes pas trop longs à regarder et pas démesurément longs à tourner pour moi. Et donc un petit peu comme Donkey Kong, je l'ai fait sur la fin. Donc là je pense que pour le monde 4 ça risque de finir comme ça. Parce que là, ça se corse un petit peu avec les nouvelles mécaniques et tout ce qui va avec. Mais tout ça, on découvrira la prochaine fois. J'espère que celui-ci vous a plu. Il était laborieux, compliqué à tourner, mais on en est venu à bout. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.